Bonjour, je m'appelle Mathilde et j'ai 22 ans. Je suis partie au Salvador, le plus petit pays d'Amérique centrale. Je connaissais un correspondant salvadorien qui m'a invité, lui et sa famille, à venir visiter le pays. J'ai pu visiter la capitale qui est San Salvador. J'ai aussi échangé avec les locaux et goûté de bons plats. Les gens sont accueillants, souriants et très généreux. C'est la joie, là-bas ils essayent de mettre de la joie partout où ils peuvent, en mettant de la musique, en parlant, en rigolant. C'est le bruit, c'est vrai que là-bas il y a toujours de l'animation dans les rues, les voitures, les gens qui parlent, les gens qui vendent, la musique. Alors qu'en France, on peut avoir des rues très très grandes, mais très silencieuses, et c'est très perturbant. Ça a été une expérience très enrichissante, j'ai appris à me débrouiller, je me suis découverte moi-même, et c'est une très belle manière de s'ouvrir au monde. Se faire confiance et suivre son intuition. Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'en allant à la plage, les personnes ne portent pas de maillot de bain. En fait, les femmes mettent un débardeur, un short, et les hommes mettent deux maillots de bain par-dessus l'autre. Parce qu'en fait, les vagues sont tellement grosses, comme c'est l'océan, que si tu vas avec juste un maillot de bain, en fait, tu le perds.